Salut. Ah voilà, on n'a pas le temps. Par contre, comme d'hab, j'ai encore réussi à oublier de setup ma cam maintenant. Comme d'hab, je setup rien, j'arrive et puis après ça, je dis que rien n'est prêt quoi. Bref! Attends, j'ai bien. Attends. Ouais, c'est pour ça. Attends. Ouais, j'ai entendu le curieux. Donc aujourd'hui, on va react tout simplement au Nintendo Direct du 21 juin. Voilà, on va le faire avec le curieux, tranquille, pépouze. Le direct démarre dans 7 minutes, donc je suis vraiment à l'heure. Hein. Ça va être tendu. Mais bon, je suis là, c'est le plus important. Alors attends, on va juste setup l'audio. Allô? Qu'est-ce qui me fait encore mon son là? Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ah putain, il va vraiment me lâcher maintenant mon casque. Hein. Putain de merde. Attends, t'es là? Tu m'entends, mec? Ah, c'est bon. Bon, ça marche. Voilà, bonjour YouTube. Attends, bah, c'est vrai, j'ai même pas fait d'intro alors que ça partira sur la chaîne de replay. Bon, juste bien setup le bordel. Salut Bon. YouTube. Ouais, voilà, bon. De toute façon, ça va, il nous reste que 5 minutes, hein. Bon, allez, moi je vais faire mon intro pour la chaîne de replay, pas une vidéo montée, mais juste le replay. Bonjour YouTube! Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo réac au Nintendo Direct du 21 juin. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais bon, écoutez, je suis en congé, j'ai que ça à foutre. Team chômage par ici. Donc, on a que ça à foutre. On est avec Lucario pour react à ce Nintendo Direct. Donc, il nous reste 5 minutes. Je vous mettrai un petit timecode avec le début du direct. Mais en attendant, on va un peu parler de nos attentes. Ça me semble pas mal. Ouais. Super, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir si ce n'est le DLC de Mario Kart? Que j'attends avec Pikmin 4. impatience. Pikmin 4? Pikmin. Je Ouais. sais pas, je joue pas à Pikmin, moi. Pendant 10 minutes, ils vont nous faire Pikmin 4. Ouais, ça me Peut-être. Je sais pas, j'ai jamais joué moi à Pikmin. Par contre, j'ai la version 3DS encore sous blister. Moi, j'ai déjà joué à la démo sur le 3 et. C'est bien, Ouais. c'est pas bien. C'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien. En vrai, si je l'avais pas neuf sous scellé, peut-être que je le testerais quand j'aurai ma 3DS Capture Board, mais faudrait que je le retrouve alors pas scellé. Parce que bon, je vais pas ouvrir le blister alors qu'il a, je sais pas combien d'années. Attends, je vais peut-être mettre quand même une musique de jeu parce que là je m'emmerde. 4 minutes. Ah. Après, on va devoir attendre encore 2 minutes parce que vous mettez un truc de pré-live ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave, on a le temps. Attends, d'ailleurs, je vais le montrer mon Pikmin sous blister, parce que je l'ai juste à côté là. Même si bon, il est pas pour moi, il est juste pour la revente. Mais c'est quand même beau les blisters 3DS, je les aime encore bien. Non. Oh, on voit pas très bien avec ma cam, parce que bon, il y a la lampe juste à côté. Mais bon, il y a bien le petit Nintendo qui est marqué avec les petites languettes là, c'est trop stylé. Hey Pikmin du coup. Ouais. Mais je vais pas l'ouvrir, hein, c'est bon. Surtout qu'avec les bugs de cartouches de 3DS, là, peut-être qu'il marcherait même pas.
Par contre, ça me fait Ah oui, en fait, je sais pas si tu sais, mais il y a certaines cartouches de 3DS qui ne marchent plus, et ma théorie, c'est qu'il y a des gens qui ne les ont... qui les laissent quelque part depuis trop longtemps, ils les ont jamais lancées. Il y en a qui ont ça avec les cartouches de 3DS, et ma théorie, c'est que... Ah, j'ai un peu demandé des témoignages, il y a des gens qui disaient « Ouais, c'était bien stocké, c'était vraiment dans une armoire nickel, personne peut y aller. Bah, » j'ai dit « Bah en fait, c'est peut-être le fait que comme on ne les lance plus, il y a un moment où ça déconne un peu comme une bagnole, quoi. Ouais. » Moi, ça va, toutes mes cartouches de 3DS marchent parce que, bon, j'en ai pas beaucoup et je les lance assez souvent pour éviter ce problème. Oh l'assassin! Merci pour le follow, GX. GFX. How are you? Yeah, thanks for the follow, man. Et ce live est sponsorisé par AST. Pourquoi t'en bois? Ouais. Moi, c'est sponsorisé par Nespresso parce que je bois du café. Nespresso? Ouais, woman. Je préfère quand même le woman avec le café. Ah ouais? I'm good, just finishing my clean animation, now looking for some new commission. Putain, on est 5 sur le live, vous êtes vraiment 5 à regarder deux pecnos en train de causer de leur attente Nintendo alors que... Alors quoi? Alors qu'on se fait chier à la gueule sur Nintendo depuis des années. Can I design you some like stuff for you? No, I don't need any stuff. I am a showman, a solo. Showman. Ah bah je suis seul quoi, je fais tout seul. Sauf le montage qu'on a passé à Alexis, non, comme un suivi. Ah bah tiens, le voilà, salut Alexis. Salut Alexis. Donc ouais, du coup on parlait de Pikmin 4, de la vague du DLC de Mario Kart. Bon attends, je... ouais c'est bon. Mais à part ça, du coup, moi je pensais qu'on aurait peut-être des nouvelles infos sur le professeur Layton. Parce que j'avais parlé l'autre jour avec une fille qui joue aussi à des jeux vidéo, et elle m'a dit, oui, apparemment, il y a un nouveau professeur Layton qui va sortir sur Switch. Et je me dis, c'est vrai que c'est pas impossible, parce que professeur Layton, mine de rien, ça avait bien marché sur DS. Et c'est Dracuni. Ça avait déjà été annoncé. Ah ouais, c'est ça que je me disais, on avait déjà vu des images d'un professeur Layton. Mais moi, je dis pas non, parce que j'ai la version DS que je dois essayer, mais ça a l'air sympa, un petit jeu énigmatique comme ça. Hein, 8 secondes, et puis après ça, 10 minutes. Let's go. Ah, moi, je suis à 30 secondes. Là. Faudrait que... Bah, tu fais... C'est déjà comment la touche pour reset? Je crois que c'est F12. Je crois que c'est ça, hein. Ah non, ça, c'est les fangames, ça. Ça, c'est le mode inspecteur F12, ouais. Je confonds avec les jeux. C'est F9. Peggy 18. Même pas. Ouais, non, oula. Attends, ça commence. Ça commence. Attends, fais F5. Pokémon écarlate, t'es violet, quoi? Hein? Oh, c'est dégueulasse. Ah! C'est moche. Ça va parler des DLC, mais c'est pas un Pokémon direct! Mais c'est en 3 FPS, c'est moche! Bah si, en fait, ça va parler des DLC. Le trésor enfui de la zone 0. Ah, j'ai toujours pas acheté. J'ai toujours pas pris, quoi. Imagine... Oh, y'a Fouinette! Y'a Yanma Scorplan! Mais y'a tellement de nouveaux Pokémon, let's go! Enfin, de nouveau. C'est aussi moche que Superman 64, quel enculé! Salut Luigi. Oh, y'a Goopix! Y'a des plumes, Lin, Cap Humain. Y'a tout là. Ils ont rajouté des Pokémon. Hein? Pas les anciennes générations. C'est quoi ça? Je m'appelle Roseille. Ouais. C'est qui celle-là? Quoi, c'est une nouvelle région? C'est toute une nouvelle région? Non!
Non. Oh, y'a Mediana. Un nouveau Nuzlocke. Ah, ça y est, bah y a vos mères, quoi, y'avait Ronflex. Qu'est-ce que c'est ces nouveaux Pokémon? Qu'est-ce que c'est que ces machins? Oh, ils sont trop cool. Qu'est-ce que c'est que ces trois? C'est quoi ces trois Pokémon? Ah, j'aime bien le... celui-là, je crois. Ouais. Qu'est-ce c'est que ça? Le violet, à droite. Ah, le dernier qu'on a vu, là. On dirait musique relaxante playlist, là, ce qu'on est en train d'entendre. Bienvenue dans mon école, l'Institut Myrtille. Ah, ça, c'est la deuxième vague, du coup. Ça a l'air sympa, en vrai. Ouais. Chifourse de Paldea. Non, je pense pas, hein. Oh, ça, c'est doux. Oh, c'est Blitz, Colema Stock. Il y a un autre Coco d'Alola. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces cubes là? Nemelios. Oh. Metalos. Mais il y a plein de nouveaux. Oh, il y a le retour de Libégon. Il y a Libégon. Ah, génial. Ça me donnerait presque envie de l'acheter, tiens. Non, ça. En vrai, ce sera un DLC, donc ça peut être révolutionnaire, mais ils ont tellement moyen de faire quelque chose d'incroyable. Oh, ça, c'est le Pokémon qu'on a vu, ça. Celui qui était sur. Ah, d'accord, ok. Mais du coup, eux, ce seront les légendaires. Ok. Ah ouais, les Pokémon légendaires. Ah, t'es encore là? Moi, j'ai déjà les deux qui causent, hein. Vous venez de voir la bande-annonce du nouveau DLC payant pour Ikerdat et Violet. Fais F5 pour être au dernier moment. Sur ton clavier. J'ai cru que c'était Miyamoto. Ah non, ouais. En vrai, ça a l'air bien. Ouais. 本編のポケットモンスタースカーレットバイオレットですか。このダイレクト終了後、ご覧のイベント。 Oh, on va recevoir des trucs en cadeau. 10 pépites, 10 super bonbons, une copain ball. Et je rêve, on a vu attends, ils vont distribuer un shiny? Ah, une équipe de Oh Sonic. Comment ça s'appelle? Bah le trésor, le super. Oh, bah... oh, ils vont refaire les 3 premiers Sonic en plus beau, quoi. Ah, c'est... Ouais, mais le problème, c'est qu'on est habitué, quoi. Mais ça m'étonne pas. De toute façon, on l'avait pas déjà vu récemment. Ouais. Pff, oh, je l'achèterai pas, hein, c'est bon. Moi aussi. On le connaît à force, quoi. Mais moi, je l'ai pas fait. C'est lequel? Bah, à mon avis, c'est les 3 premiers sur Genesis qui vont refaire. Jamais fait. Ah, Genesis Mega Drive. Je l'ai jamais fait. Moi non plus, mais. Je préfère qu'offrir les originaux sur émulateur. Par contre, la coop, y avait pas ça sur Genesis. En fait, ils ont repris les mêmes idées, mais à mon avis, c'est pas le même jeu, parce qu'il y a des trucs, ça ne me dit rien. Ouais, non. Une vie paisible vous attend. Ça, c'est un nouveau jeu, ça, à mon avis. Oh, purée. Il va y avoir des RPG. Free to play, oui, c'est ça, avec 40 000 microtransactions, on connaît, hein. C'est quoi cette. On dirait un mix entre les Sims et Zelda Breath of the Wild. C'est littéralement ça. C'est un mix entre les Sims et Zelda BOTW. Cringe les free to play. Bah, il y a Roblox qui est free to play, hein. En théorie. Ouais, mais Roblox. C'est de la merde! J'ai pas le son. En vrai, on pourra l'essayer.
Pourquoi pas? C'est quoi ça? Pourquoi pas pour essayer, mais... The Phantom Thieves return in this tactical spin-off of Persona 5. Je connais pas, je connais pas. C'est quoi? C'est un jeu... C'est un jeu de rythme? Non, c'est un jeu de combat, je connais. Mais qui repose... mais qui a l'air de reposer sur la musique. Par contre, les graphismes, je les trouve pas mal, franchement. Ouais. Ouais, mais le problème c'est que c'est quoi un jeu qui va coûter 60€ quoi. Ouais, je suis perdu là, je connais pas ce jeu donc. C'est déjà bien quoi. Moi je le connaissais pas avant du coup. 17 novembre. Ouais mais le 17 novembre il y aura déjà... Bah non il y aura pas de Pokémon, qu'est-ce que je raconte moi. Encore un jeu indé. Alors, bon je suis désolé mais on dirait les graphismes de Dragon Slayer 3D sorti en 2002. Voilà. Un peu mieux parce que c'est sorti 21 ans après. Mais regarde les graphismes de Dragon Slayer 3D, c'est la même. Au moins beau parce que sorti il y a 20 ans, mais c'est la même. C'est aberrant. J'en ai plein de cul. Voilà. En soi, ça fait même pas 10 minutes là, donc il y a le temps. Ah, Splatoon. Attends, c'est le perso de Splatoon à droite, non? Oui, c'est Splatoon. Ah ouais. Mais j'y joue pas de toute façon. J'ai les 3. Mais si je regarde bien, sur Switch, j'ai une dizaine de jeux, pas plus. Hein. Y'a que des Pokémon. Je sais même pas pourquoi je react, j'achète aucun jeu sur Switch. The next Splatfest for Splatoon 3 has been confirmed. Okay, squids, here's the theme. Which flavor of ice cream is best? Vanilla, strawberry. Ça c'est pour ceux qui font les tournois là. Ouais. Par contre, en attendant, je me disais, pour le DLC de Mario Kart, il y a une course que j'aimerais bien revoir. Je sais pas si t'as déjà joué au tout premier sur Super Nintendo. Non. Ah mais dommage. Mais il y avait un château à la fin. En fait c'était un château mais vraiment dans l'ambiance de l'époque. Donc avec deux couleurs, la lave et les murs noirs, gris, en métal quoi. Ou en roche, peu importe. Et il y avait plusieurs chemins. Cette course là n'a jamais été refaite dans aucun Mario Kart. S'ils la refont, c'est un banger. C'est un truc Pokémon ça. Encore un spin-off? Ou alors c'est Pokémon Café Mix, un truc comme ça. Ah oui, c'est Café Mix. Je regarde ton live en même temps. Bah c'est à l'ambiance quoi. C'est quoi ça? Un spin-off? Non, c'est un spin-off, c'est un spin-off. C'est Pokémon Détective. Hein? Oh, ça le vient. Oh, putain, oui. Yeah, oui. Non, c'était tellement pas prévu ça. C'était tellement pas prévu ça par contre. Du coup, faudra que je fasse Détective Pikachu avant. Merde. Ah mais ça par contre, ça m'intéresse. Hein. C'est pas le portage. Je ne sais pas si c'est... Ben non, c'est pas le portage, il y avait pas des Pokémon 8 et 9G avant. Non, non, c'est pas le portage. Donc non, c'est un... Qu'est-ce que Mewtwo? C'est un nouveau. Mais pourquoi je suis pas en... Ça me mais... dit rien. Mais en bonne qualité. Non, non, c'est un nouveau. C'est deux. Si quelqu'un pourrait m'apporter un café, c'est totalement moi, ça. 10 octobre. Let's go. Oh my God. On dirait qu'il aime toujours autant le café. Let's go, c'est moi. Ah, let's go, pourquoi pas, hein.
En plus, Détective Pikachu, j'ai regardé le film il y a 2 ans, je l'aime bien. Ah, moi j'ai adoré le film. Mais je pensais qu'ils avaient parlé de ça dans le Pokémon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ah! Oh putain, c'est Mario RPG! Sur SNES! Je suis sûr, c'est ça. C'est Mario RPG sur Super Nintendo. Ils vont le refaire. Et oh, ils vont faire un remake. Let's go, en vrai. Oh. Ah ouais. Ça m'en a tout l'air. Hein. Il faut qu'ils confirment. Mais je... C'est ça, Super Mario RPG. Oh, ça m'évitera de le payer. Ça m'évitera de le payer 50 balles sur Super Nintendo. C'est magnifique. Oh putain. Oh, c'est trop beau. Mais fermez vos gueules et prenez mon argent, Nintendo! Oh, non mais... Le poutre à poil, là. Yeah, je devrais pas l'acheter sur SNES, let's go! Oh là là! Ah mais oh vraiment, il coûte cher hein, sur Super Nintendo, je vais aller voir, mais je crois qu'il coûte 50 balles. Hein. En loose. Excuse-moi de crier, mais là c'est... Ah mais moi aussi, hein, t'inquiète. Trop heureux! C'est incroyable! Ah ouais! Ça sera changé, ça sera putaclic, je m'en fous! Ah mais attends, c'est une exclue américaine en fait, je crois. Et japonaise. J'étais sûr que c'était Super Mario RPG, j'ai vu la gueule, je suis sûr que c'était ça. Ah, j'aime trop les graphismes. Ah mais c'est bien refait, hein! Mais les deux. C'est un jeu qui coûte 100 balles en loose! Oh! Là, on va l'avoir à 60 balles sur Switch. Ah, mais... Ah, mais par contre... Prenez. Shut up and take my money. Take my money, Nintendo. Mes sous, pas d'enculé. Putain, par contre, je vais vraiment rater mon année prochaine avec toutes les sorties, hein. Putain. Ah, là, là. 17 novembre. Non, mais attends, il y a deux jeux... Encore? Bah oui, c'est un jeu qui est sorti qu'aux États-Unis, au Japon, on l'a jamais eu sur... en Europe, j'étais sûr. Oh, ça a l'air trop bien. Là, c'était le tout premier RPG de la série Mario. Avant les Mario et Luigi. J'ai un esprit pour novembre, là. Est-ce que Nintendo se sortirait-il les doigts du cul? C'est quoi ça? Mario Party? Merde, plus de batterie. Princess Peach? Oh, nouveau sur Princess Peach. Ouais. Attends. Oh. Ouais, il y en avait eu un sur DS, je crois. Ouais. Mais j'ai jamais joué. En vrai, ça a l'air pas mal. Ouais, pourquoi pas. Attends. J'avais plus de batterie sur le PC. Oh là là. Je vais mettre tout ce qu'il faut, toute mon énergie sur la miniature. Luigi's Mansion? What? Ils vont encore faire Luigi's Mansion 2? Mais c'est sur 3DS ça? Je crois Luigi's Mansion 2. Attends, je... Attendez les gars, je dois checker un truc. Ouais, c'est bon, ok. Non mais en fait c'est l'année des remakes là. Bon après nous deux Bah je sais pas si il est mien, je l'ai pas testé du coup. Batman mais... Encore un jeu Batman. J'en ai déjà 3 sur PS3 à tester. Ah ça par contre ça a l'air moche. Attends, mais je suis en 1080p, c'est quoi cette merde? Oh, ça a l'air moche. Mais c'est, mais en même temps, c'est sur Switch. Ah, quoique. Ouais, après, moi, non, en vrai, ça va. Le Joker. Ok, ça, on s'en bat les couilles. De toute façon, j'ai déjà 3 jeux sur PS3 là que j'ai toujours pas testé. Après sur Switch, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais, mais c'est un remake. Enfin, portage. Je reconnais le... Ah, ta, oui. Gotham would be ours.
J'avais pu retrouver mes jeux Batman. Ils sont là. Attends. Avec tous les DLC. Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Origins. Bah ça c'est Arkham City. Ah bah voilà. Bah celui-là était sur PS3 et dans le lot que j'avais acheté, ils y étaient. Je suis pas fan de Batman. Bah, de toute façon, même si je devais le faire, je le ferais plutôt sur PS3 vu que je l'ai, quoi. Et la PS3, les graphismes, bon, par rapport à la Switch, on n'est pas grand-chose. C'est une trilogie avec les 3. Un jeu indé, ça. Gauze. Ça a pas l'air dégueulasse, en vrai. C'est pas un genre de jeu qui m'intéresse, hein. Pour être honnête. Ouais. Oh, ça a l'air de laguer sa mère. Ça a l'air de laguer sa race. Et le Pokémon Détective. En vrai, ouais, le Détective Pikachu 2 et Mario RPG, déjà ça me hype. Hein. Je sais pas si je les achèterai tous les deux parce que bon. À moins que vous me fassiez des dons. Voilà, je le dis. Voilà. Nouveau donation goal, Mario RPG, le remake. Oh non, non. Mais ça s'en bat les couilles ça, c'est nul. Allez. Mais je m'en branle, va aller faire la cuisine au lieu de danser, là. Oh là là, oh là là. Coupe le son. Quoi? Je passe sous un tunnel, là. Moi, je vais couper le son. Non mais arrêtez de faire vos instagrammeuses là putain. Bon je dis ça mais j'ai joué à Josen quand j'étais petit. Voilà je le dis. Et j'étais bon en plus. J'ai jamais essayé mais... En vrai c'est drôle mais quand t'as des potes. Quand t'es tout seul tu te fais chier. Je te le dis. Mais à plusieurs ça peut être marrant. Je prends pas le risque. Non mais faut être à plusieurs sinon tu te fais chier sur Josens. Ouais. Quand t'es tout seul on dirait juste un con qui répète devant sa téloche quoi. Winners for commons. Go to the kitchen. En fait il faudrait qu'il fasse une espèce de online sur Just Dance où on a les caméras activées. Là ça pourrait être intéressant je dis pas. Surtout en live, ce serait à mourir de rire. Non mais il y a combien de RPG là? Ils sortent que des RPG. Non mais c'est quoi hein? Ah mais Détective Pikachu 2 il va dans la mini, hein, j'en ai rien à foutre. Et Mario RPG aussi. Materials you've collected will help you cultivate resources and forge new items. Repeated forays. Bécassine à la cuisine. Taille-moi une pin. Quoi? Non mais putain, les skins on dirait les jeux pour filles des années 2000 sur internet quoi. C'est vraiment ça. Ah non, ça par contre. Ah ça par contre, ça je dis pas, ça c'est stylé par contre. Bah les dernières séquences qu'on a vues. Ah ça c'est les émulateurs ça à mon avis. Les émulateurs. Non. Préparez-vous à faire des oh non. Mais elles font la cuisine, c'est bien, mais bon. Lancez des sorts et cultivez votre vie. Et allez faire la cuisine. Faites appel à la magie pour accomplir et repousser des ennemis. Non mais c'est quoi ce mix entre Animal Crossing et de la grosse bouse? Arrêtez de faire des RPG Nintendo. Pre-orders including an in-game bonus are available now on Nintendo eShop. Zoom into wild racing action. Oh Twills, mais on s'en bat les couilles. Et c'est où le DLC de Mario Kart, putain? C'est où? Oh Twills, oui. Moi j'aime bien.
Bah je préfère Mario Kart quoi. Unleash your creativity by modifying your vehicles and building your own tracks. Ouais. Non mais je préfère que je joue à Trackmania quoi si c'est pour faire ça. Rouge chaude, bah ouais c'est ça. Hein. Bientôt ce sera. Non je vais pas. Non j'allais dire quelque chose mais je me faisais ban à mon avis. C'est quoi cette espèce de cooking maman en version mécano? Non mais c'est clairement Cooking Mama mais en version mécano. On est bien d'accord. Cooking Mama en gros on est à c'est un truc à plusieurs joueurs dans un gestionnaire de restaurant quoi. T'as chacun qui a son rôle quoi. Y'a que des femmes. DLCP, oh mais j'ai pas le jeu moi. Ah oh, merde, c'est con ça. J'ai pas Mario et les lapins crétins 2. Moi je l'ai. Et c'est un bon jeu ou pas? Ouais, moi j'aime bien. Mais j'avais acheté la version Gold. Du coup j'ai eu les DLC en même temps. Dans la journée? Mais attends, ils viennent de dire que là, ça arrive maintenant. Dans la journée? Ouais, ouais. C'était dit, dans la journée. C'est pas mal. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas rejoué, parce que... Ça, c'est Dragon Quest. Non, Dragon Ball. Dragon Ball? Non, Dragon Quest. Je sais pas, jamais joué. Dragon Quest, parce qu'il y a le... ouais. Le truc comme la goutte. Comme une goutte. Enquête de vengeance. Ouais, et puis le type d'ennemi, c'est Dragon Quest. Un nouveau ou un remake? Je sais pas, j'y jouerai pas. Moi ouais, j'ai déjà joué, mais... C'est un peu compliqué. Oh la musique. Allez, on va faire un Nuzlocke sur Dragon Quest. Let's go. C'est comme si je disais on fait un Nuzlocke sur Final Fantasy quoi. C'est pas comme Pokémon, hein, c'est... Ah non. C'est vraiment hyper dur. Hein. Dragon Quest ou de faire un Nuzlocke? Ou les deux? De toute façon, là j'ai déjà South Park le bâton de la vérité si je veux un jeu comme ça. Ouais, Dragon Quest Monster, le prince des ombres signé Square Enix. Faut voir le prix après. Créature végétale Pikmin. C'est Pikmin. Je suis sûr que c'est ça. C'est Pikmin. Une créature végétale, oui. Ah, oui. C'est Pikmin. C'est Pikmin. Bon, c'est pour toi, pas pour moi, non. As its newest recruit, you'll venture to a mysterious planet with all sorts of life forms. There, you'll meet plant-like creatures called Pikmin. And the adorable rescue pup, Ochi. Good boy. Your mission, should you choose to accept it, repair the damaged rescue core spaceship. Qu'est-ce qui se passe si t'acceptes pas la mission, le jeu se termine? All right, let's explore together. Pikmin 4. Once plucked, Pikmin are ready for action. Blow your whistle to gather them and have them follow you. Allez les esclaves. Bugs at things and they'll start working for you. Bah ouais, c'est ça, ils travaillent pour toi, c'est les esclaves. C'est les Chinois dans les caves. He can carry items with Pikmin or smash obstacles in your way. And if you need a flotation device, well, there you go. Ochi can even stand up to the wildest creatures. Collect lots of treasures. Pourquoi y a une Game Boy Advance? To fix the spaceship's radar and open up new areas to explore.
C'est un Easter egg. Bah, un Easter œuf. Un œuf de Pâques. Here, a completely different environment awaits. Unusual contraptions. Native creatures. M'intéresse pas. Je sais pas, on peut pas le savoir. Bon, en général, ça dure 30 minutes les Nintendo Direct. Là, c'était 40 minutes. Non, mais qu'ils y aillent, moi je veux le DLC de Mario Kart. Ils n'arrêtent pas tant qu'ils l'ont pas fait. Hein. Sinon, j'appelle Nintendo en direct et je leur dis: vous foutez de ma gueule. Hey, embrace the art of Dandori by strategically issuing commands to your Pikmin and Ochi. Collect more objects than your opponent within the time limit to win and save the castaway. By rescuing castaways, you'll be able to do more activities back at base camp, which is right next to your spaceship. Train Ochi and teach him new skills. Or build new equipment and items to help make exploration more manageable. For the first time in the Pikmin series, you can eventually set out for night expeditions. But there's a catch. Nightfall sends creatures into a frenzy, so stay alert. Okay. Peut y en avoir de mauvais. Moi, je me couche, hein. Which only appear at night. Find luminols that produce valuable glow sap. These mounds also attract various wildlife, so use glow Pikmin to drive them away and protect the luminols. Moi non plus. Ni Mario RPG. De belles surprises, hein. Many more surprises await in this. Bah tant mieux, va qu'il se bouge un peu le cul, hein. With the Pikmin and Ochi by your side, no challenge is too big or too small. Yo Nintendo, on veut les DLC Pikmin de Mario Kart. Oh, 21 août 2023, quoi Pikmin. Quoi, Mario Kart? Non, 21 juillet Pikmin. 21 juillet Pikmin. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on l'annonce. Ouais. Ça sort dans un mois. Aussi des nouvelles concernant Pikmin 1 et 2. Hein? Ils vont faire un remake, Paris. Des versions HD. Ok. Disponible. Attends, les versions numériques sont déjà dispo dans 10 minutes là. Et les versions physiques le 20 en septembre, j'ai vu. Mario Kart. Mais Resident Evil, je m'en bats les couilles! Ah, mais c'est Metal Gear, je suis trop con! Non, ouais, c'était Metal Gear. Ah! Gros débilos! Mais c'est quoi, c'est des remakes? Oui. C'est Metal Gear Solid, en vain gueule, c'est bon, hein. So enjoy the games that started the series, Metal Gear and Metal Gear 2 Solid Snake, as well as the NES versions of both Metal Gear and Snake's Revenge. Je savais même pas qu'il y en avait sur NES. Salut The Wings, ça va depuis le temps? Compilation also contains the first Metal Gear Solid digital graphic novel and its sequel. Additional content includes screenplay books and master books with story and character info. Strategy guides for each game and a digital. Je sais pas, j'ai jamais touché à Metal Gear Solid pour être honnête. 24 octobre. Mais il y a quand même de bonnes annonces hein, aujourd'hui pour une fois. Ouais. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Disponible séparément à l'achat. Je vais pas te précommander. C'est quoi ça?
Ça, c'est un vieux jeu. Ah non, c'est un nouveau jeu indé. On veut des DLC, le DLC de Mario Kart. Mario Kart. Allô. Non mais allô quoi, vous êtes Nintendo, faites pas d'annonce pour Mario Kart, non mais allô. Nintendo. J'ai payé ce DLC en fait, je l'ai payé. Mais faudra qu'on se refasse du Mario Kart. Hein. On veut Mario Kart 8 Deluxe. Et Mario Party Superstars. Et Professeur Layton. Ouais. Je m'en bats les couilles de ça. Putain, je trouve ça sur Steam à 3 balles, c'est bon. Vraiment, pas bon. Mais je m'en branle moi de l'e-sport. Tu me vois faire de l'e-sport sur Splatoon en plus. Ah bah le Covid est passé hein, forcément, il n'y a pas eu. J'ai jamais joué à Splatoon, je saurais même pas dire sur quel jeu est sorti le premier, enfin sur quelle console est sorti le premier. Je pensais que c'était le deuxième qui était sur Wii U. Non, deuxième est sur Switch. This incredible trophy. Please stay tuned to our social channels for more info on regional tournaments in your country, as well as news on the finals. Mario Kart. And that's not all. Allez, Mario Kart. Ouais, oui, yes. Allez, putain. Ah, ah mais putain, mais c'est un championnat, mais je m'en fous. Enfin. Mais c'est un championnat, je m'en bats les couilles. Mais l'arnaque, rendez l'argent. Vous incarnez un pigeon, c'est quoi ça? Mais les putains. Fire a slingshot to play music in first piano shooter. C'est quoi ça? Mais y'a que les pigeons qui achèteront ce jeu littéralement. Mais une machin, c'est oui parti avec des pigeons. Il y a deux fois vous coulez de bonheur. Oui va, bah, c'est eux quand ils toucheront l'argent. Moi perso j'ai enlevé le son parce que. Mais pourquoi le boss il en slip? Mais putain, on dirait mon voisin devant son écran. And help Penny and Yo-Yo escape the clutches of the grouchy Emperor Eddie. Perform stylish acrobatic tricks. Mais vous me cassez les couilles, Nintendo. Il est où Mario Kart? Yo-Yo to protect Penny from foul play. Il est où mon Kart, bordel? Paye! Je veux Mario Kart! Il est dans mon cul, exactement. Allez, vous avez encore une possibilité. Allez Nintendo Direct. Oui. Yes. C'est quoi ça? Enfin. Ça va trop bien. Ça a l'air trop bien. Course à la propreté, ça a l'air trop bien. C'est un nouveau circuit. Oh putain, mais c'est du propre en version Mario Kart. Flora Piranha. Wiggler. Non mais attends, il y a des nouveaux persos. Ma miniature, elle est refaite, let's go. Maskas. Non, Kamek, Maskas. Mais je suis trop con, Kamek. Let's go, il y a Kamek. On l'a jamais eu dans un vrai Mario Kart. Mais rendez l'argent, vous avez montré qu'une course, putain. Mais pourquoi? Pourquoi ils montent pas les autres coups? Bon écoutez, c'était un bon live, mais moi je me casse, hein, c'est bon, c'est trop. Non, j'ai quand même.
Mais rendez l'argent là, putain, vous avez montré qu'une course et deux persos, c'est quoi ça? Non, trois persos. On l'a attendu 30 minutes et ils nous ont montré ça, quoi. Par contre, la course a l'air trop bien. L'arnaque, mais rendez l'argent, bande d'enculés! Au moins, on sait que la suite du DLC de Mario Kart arrivera en été. Mais pourquoi ils ont montré qu'une course, sérieux, même si elle a l'air bien? Mais justement, comblez-moi de bonheur! Faites-moi jouir! J'adore Mario Kart! Putain, ça aurait pu finir sur un site de cul, ma réaction, là, s'ils m'auraient pu se montrer. Évidemment, les enfants, n'allez pas sur Internet taper site de cul si vous savez pas ce que c'est. Hein. C'est pas aujourd'hui l'été. Mais oui, on est le 21 juin, en plus. C'est vrai. J'ai pas du tout suivi ça, je m'en bats les couilles. WarioWare ? Ah, c'est un DLC de WarioWare à mon avis. Ah non, c'est un nouveau WarioWare. Moi non plus. Bah j'ai celui sur Wii qu'il faudrait que j'essaye. C'est un nouveau ? Ouais, c'est un nouveau, ouais. En vrai, le problème, c'est que je pense que quand t'es tout seul, c'est un peu de la merde. Il y a même un truc Mario 64. Lol. Ah, ils ont mis des trucs d'un peu partout. Il y a même un truc de Pikmin, là. J'ai vu. For example, this dicey board game is gonna keep you on your toes. En fait, il faudrait qu'il fasse WarioWare mais avec un online. Ça, ce serait banger. Genre une sélection de 50 mini-jeux non-stop en ligne. Ça pourrait être banger. Après, Bah, en soi, aujourd'hui, l'online est très répandu, quoi. Donc je me dis, pour WarioWare, allez-y. Ok. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Nous avons une nouvelle annonce à faire. Mais je m'en branle ! Mais je m'en fous de TOTK, j'y ai jamais joué ! J'ai jamais joué à Zelda alors que j'ai toutes les consoles Nintendo ! Le seul que j'ai, c'est Zelda 2 sur NES et j'y ai jamais joué ! Bah les couilles ! Bon, ils sont les jeux de la sélection SNES là. Je veux qu'ils mettent Donkey Kong Country 2. Attends. Metroid 4 à mon avis. Dugouzou ! Nouveau Mario ? Non. C'est Mario 2D ! Hein ? C'est Mario 2D ? Quoi, c'est un jeu qui existait déjà ou c'est un nouveau ? Non, à mon avis, c'est nouveau ça. Oh, en vrai, il a l'air trop enfantin, ça me fait chier. Oh, c'est beau! T'es sérieux? Attends, t'es sérieux? Ça fait 7 ans! Enfin, ça va faire 6 ans qu'on a la Switch. Et le seul Mario 2D qu'ils font, c'est ça? Oh! Y'a des bonnes idées, ouais. Non mais ça c'est sous Ecstasy, ça c'est Pierre Pelmat qui a fait le jeu. Non mais enfin bowling.
Ouais. Les pièces violettes, on irait comme dans Mario Odyssey. Ouais. Oh, non mais c'est Pierre Pelmat qui a développé le jeu, il est sous extase. Super Mario Bros Wonder. En vrai, faut voir s'il est difficile. Ou s'il est trop facile. Oh, ça a l'air pas mal. Il y a l'air d'y avoir des bonnes idées en vrai, je suis un peu mauvaise langue. Oh, la carte du monde. En vrai, ce serait bien qu'on puisse le faire en multi... avec internet, parce que sinon on le fait tous les deux. Oh. Oh. Mais on est vraiment sous extasie. Hein. Wow. Mais vraiment, ce serait bien qu'on puisse le faire en multijoueur en ligne, quoi. Parce que je te dis, sinon, on s'arrange pour le faire tous les deux ensemble. Ouais, ça serait pas mal. 20/10/2023, donc 20 octobre. Oh! Mais ça fait encore un nouveau jeu à faire. En fait, octobre et novembre, là, il va y avoir plein de jeux. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mario? Wow. Donc le liqueur avait juste. Et transforme en éléphant, mais pourquoi? Voilà qui conclut ce Nintendo Direct. Bon, on va un peu conclure. Hein. Ouais. Nintendo Direct, c'est fini. Toro. J'étais pris par plein d'émotions, non? Ouais, bon. Écoute, on va pouvoir en débattre. Bon, trop de RPG. Trop de RPG qui ne sert à rien. Trop de RPG, pour commencer. Bah, je vais me remettre sur l'onglet des caméras, ça... ou alors je mets juste la caméra en plein écran. Les RPG où les femmes font la cuisine. Bécassine hein. Bécassine à la cuisine, hein, comme d'hab. Attends, je vais juste en profiter pour faire un overlay où je peux être full caméra en fait. Ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais déjà, ce qu'il y a d'intéressant à dire quand même, Détective Pikachu, Super Mario RPG, Mario Wonder, là, même si ça me semble être un peu trop sous extase. Parce que bon, vraiment, on dirait que c'est Chantal Goya qui a fait le jeu, quoi. Et après ça, y a-t-il réellement 40 000 choses à en dire? Quand me remettre sur l'onglet cam normal. Voilà. Mais en vrai, il y a quand même de bonnes idées, je trouve. Mais il y a quand même un gros problème, selon moi, c'est qu'il y a beaucoup trop de RPG. Mais après, quand même, Détective Pikachu et Super Mario RPG, je pense que personne n'aurait pu imaginer qu'ils allaient faire. Parce que t'en penses, mais... Mais attendez, mais pas du tout. Ouais, là je suis juste en train de refaire un overlay vite fait là. Le nouveau Détective Pikachu. Attends. Le 6 octobre. Ouais, donc octobre, novembre. Et décembre. Avec le DLC. Ça va être. Merde. Pourquoi j'arrive pas à me faire un overlay là, putain. Même mon PC a décidé de me faire chier quoi. Ouais, du coup, je vais aussi prévoir de faire le Détective Pikachu sur 3DS.
Bah, quand j'aurai la capture board 3DS, en vrai, je verrai le prix du jeu, mais ça pourrait être bien. Parce que moi, j'ai bien aimé le premier. Non, je vais me remettre ici. Non, pas besoin de musique, c'est vrai. Après, moi, je vais plus le faire, mais sur émulateur. Ouais, mais toi, t'as pas de capture board 3DS, moi non plus, mais de toute façon, j'ai dit, ça dépendra de beaucoup de choses, si je l'achète ou pas, en vrai. Alors, faut que je me remette en full cam là. Alors, je disparais, je reviens. Voilà. Ça disparaît. Hein. Hey, oh, ça va là? Oh! Oh! Non, mais en vrai, il y avait quand même d'excellentes idées, je trouve. Entre. Mario RPG, en vrai, comme c'est un jeu qui est jamais sorti en Europe, vas-y, hein. Je vais juste remettre Google. Alors je vais remettre un peu tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait en vrai à part ça? Je suis en train de. C'est vrai qu'il y a aussi écarlate et violet, mais Samurai il peut pas plus que ça. En toute honnêteté. Ça ne me hype pas plus que ça. Vraiment. Même si je sais très bien que comme je suis un putain de pigeon, je les achèterai quoi. Après, attends, je suis en train de tout scroller. Le Sonic, je le prendrai pas non plus. Tous les RPG, là je m'en bats les couilles. Ah mais voilà, Détective Pikachu, voilà, je suis dessus. Déjà, il adore le café, donc moi je l'adore déjà. Ouais, Détective Pikachu 2. Par contre, on en parle que dans le trailer, ils ont enchaîné Détective Pikachu 2, Super Mario RPG Remaster. Vraiment, dans 5 minutes, j'ai cru que j'allais en mettre partout. Hein. Incroyable. Non mais il est super bon en plus. Le Mario RPG il sort en novembre, le 17. Mais il est magnifique. Ouais, moi, oh là là là. Oh. Bon après j'ai toujours pas fini Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser mais bon. Bon en fait pour jouer à des jeux DS 3DS hormis mes DFI, je préfère quoi avoir ma capture board 3DS. C'est pour ça que j'ai pas encore continué. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que hormis si on a vu des vidéos YouTube, ça va être full découverte. Comme j'en ai vu aucune, j'ai vu quelques images, mais pas plus que ça. Mais je ne connais rien du jeu, donc là ça va vraiment être full découverte. En vrai, j'hésite à l'acheter. Après, faut voir le prix, s'il est à 70 balles, ils iront se faire foutre. Sauf si vous me faites des dons. Oui, je suis un rat, et alors ? Ratata. Je suis un ratatak, c'est pour ça que je m'étais renommé moi, enfin que j'ai renommé mon ratatak moi sur Pokémon Steam, c'est pour ça. Mais ouais, hormis Détective Pikachu 2 et Super Mario RPG, y a rien qui me hype. Franchement, peut-être aussi le Dragon Quest, faudra voir, mais encore. Il y a plein de jeux, j'ai quasi aucun jeu Switch, hein. Je les ai juste là, je vais aller les compter, mais j'en ai quasi aucun. Hein. 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15.
Ouais, j'en ai 15, mais tu comptes tous les Pokémon qui sont sortis, sauf Let's Go Evoli. Et il y a eu combien de Pokémon? Et encore, pas tous les Pokémon, mais c'est les principales. Donc Let's Go, Écarlate Violet, ça fait 3. Depths 5. Sword and Shield 7. LPA 8. Je crois que c'est tous les jeux Pokémon sortis sur Switch. Ouais. Enfin, tous les Pokémon principaux plus LPA. Ouais, ça veut dire que hormis Pokémon, j'ai 7 jeux sur Nintendo Switch. Alors que la console est sortie, je crois, en 2017. C'est-à-dire que j'ai rien, quoi. Attends, je vais mettre un peu de musique, parce qu'on s'emmerde. Hein. Sortie Nintendo Switch. Je crois qu'elle est sortie en 2017. Date sortie Nintendo Switch. C'est 3 mars. Ouais, 3 mars 2017, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'en 6 ans, même plus, j'ai acheté que 7 jeux sur Switch. Hormis Pokémon. Et t'as Mario Kart aussi. Ah bah tu comptes Mario Kart, tu comptes Mario Bros. U Deluxe, Mario Maker. Mario Party Superstar. South Park Lana du Destin, parce que je l'avais fait sur Switch. C'est quoi les deux autres? Il est ressorti sur Switch le South Park? Ouais. Ah ouais, bah c'est sur ça que j'avais fait. Bah j'avais trouvé en brocante à 40 balles, mais la version physique est plus rare, quoi. Je crois la version physique, elle a 50 euros. Aujourd'hui. Je l'avais revu en magasin, mais c'était les codes de téléchargement. Ça, c'est une arnaque. Les boîtes avec les codes de téléchargement. Mais sinon, à part ça, j'ai quoi comme jeu, en vrai? J'aurais même pas à dire. Ah oui! Ah bah oui, je suis trop con! Bah oui, j'avais oublié Mario Odyssey aussi. Bah oui, je l'ai. Forcément. Et l'autre, c'est Paper Mario The Origami King. On me l'avait offert, celui-là. Ok. Mais il était bien. Je l'avais fini, il est bien, voilà. Là, j'ai commencé le début, mais j'ai pas... Ah, t'as pas accroché. Enfin, si, moi j'aime bien les Paper Mario, en règle générale. Je sais pas, moi j'ai fait que celui-là, non. Mais en vrai, il y a un jeu que j'aimerais revoir, là. Je veux... Enfin, ça va être compliqué. Mais s'il pourrait refaire un jeu Simpson. Voilà, ah, je le dis. Soit un remake de Hit and Run, soit un remake de Hit and Run, soit un tout nouveau. Les Simpsons le jeu, t'avais déjà essayé? Mais Simpsons le jeu, je bande. Bah... Ah oui, mais... Bah là, si tu regardes sur mon live... Et le Hit and Run aussi. Il est là, les Simpsons le jeu, hein, il est là, je le vois d'ici. Enfin, c'est celui sur DS, mais... J'ai aussi testé celui sur Wii, qui est... En fait, c'est le même, sauf qu'il n'y a pas l'aspect open world entre les niveaux, quoi, c'est tout. Mais j'ai plus apprécié la version DS, que ce soit par nostalgie aussi, parce que la version Wii, bon, il y a quand même quelques petits désavantages, même si elle est très bonne. Mais s'il pourrait refaire un tout nouveau jeu Simpson. Ouais, j'aimerais bien aussi. Par contre, on n'a pas eu de news à propos de Professeur Layton. Et ça, c'est aberrant. On peut pas tout avoir, hein. Mais bah... si t'avais pas mis des RPG où les femmes font la cuisine... C'est vrai. Mais il y a beaucoup trop de RPG, je trouve. On dirait qu'il y avait que ça. Il y a aussi le Cooking Mama en version mécano, mais celui-là, bah les couilles. Mais peut-être du coup que je vais acheter deux jeux Nintendo Switch. Incroyable. Ah mais le détective Pikachu, si j'arrive à faire le premier sur 3DS, pourquoi pas, hein. Il est long celui sur 3DS ou pas? Bah Google. J'ai hein. pas réussi à aller jusqu'à la fin, mais de ce que j'ai fait, moi j'ai adoré, j'ai bien... Attends, je vais voir le temps que ça dure. Détective Pikachu... 3DS, Full Plague Trout... Oui,
full Trout, c'est 100% ou pas? C'est le jeu complet, mais je sais pas si c'est le 100%. Il fait 10 heures. Après, ouais. Ah ouais, mais d'accord, mais les cutscenes elles durent 3 heures. Ok. 3 heures de cutscene, 6 heures du gameplay quoi. Ouais. Il y a beaucoup de cinématiques. Mais bon, voilà. C'est logique pour ce genre de jeu en soi. Ce genre de jeu, ouais. Ouais, c'est logique. Ouais, non, en vrai, en vrai jeux... j'ai quand même voir le temps que durait Super Mario RPG sur SNES. SNES Long Play. Il durait 18 heures. Ah d'accord. Ah mais j'ai des gameplays de 10 heures, on a vu 18 heures, c'est le 100%. Donc ça va, il a une bonne durée de vie, surtout qu'en général, les full play Trout, c'est des gens qui connaissent le jeu. Après, il y a aussi le Luigi's Mansion 2 Remake. Ouais. Mais ça, bon... quand j'aurai ma capture board 3DS, est-ce que je préfère pas mettre, littéralement, même pas 10€ dans Luigi's Mansion 2 ou le faire sur Switch où il sera vendu à 65€? Je sais pas, hein. Mais moi, j'ai préféré quand même le 1. De Luigi's Mansion ? Alors moi j'aime bien le 1 et le 3. Ah le 3 il est un peu mort hein. Bah non le 3 là l'événement de jeu vidéo qui existe plus. Je fais une blague. Mais je sais pas en vrai. Soit je le ferai sur 3DS mais j'ai pas envie de mettre autant de sous sur la Switch. Le Batman on s'en fout. Just Dance on s'en fout. Hot Wheels, bah faut voir combien il coûtera. Ça pourrait faire un petit job. En vrai, Hot Wheels, je crois que... Le DLC de Mario et l'Impact Crétin... J'ai pas le jeu. Pikmin 4. Il y a aussi les Metal Gear Solid. Pikmin 4, il m'intéresse pas plus que ça. Attends, je vais me remettre un peu le Mario Kart là. Juste envie de revoir un peu la course là. Mais je t'ai dit, hein, ils vont mettre 5 minutes de Pikmin. Hein. Bah, le pire c'est que c'est... Ouais. En vrai par contre les nouveaux persos de Mario Kart, ça m'étonne qu'ils en aient refait 3. Hein. Parce que Wiggler, Kamek et Flora Piranha. En vrai, c'est sympa de remettre des anciens persos. Mais comme on n'a pas eu de nouvelles courses à part celle-là, bah on sait pas encore vraiment à quoi s'attendre au niveau des courses. Même si celle qu'ils ont montrée, j'aime bien, ouais. Elle a l'air sympa. Elle me fait un peu penser à certaines courses du CTGP de Mario Kart Wii, là. D'ailleurs, faudrait bien que je refasse un live dessus maintenant que je peux y jouer sur Wii en bonne qualité. Mais je sais pas si ma carte SD, elle sera assez puissante. Le CTGP, c'est quoi? C'est le mode avec les 250 courses en ligne, 24 joueurs et tout là. Ah d'accord. Ouais, que j'ai sur ma Wii du coup, mais ouais, je pourrais en faire une fois, ouais, sympa. Mais ouais, pour revenir à ma carte 8, ouais, ça a l'air bien, mais ils en montent pas assez, je trouve. Alors que ça va bientôt sortir. Parce qu'ils ont dit été 2023. On peut avoir une annonce dans quelques jours, hein. Peut-être. Bah, j'espère, parce que été 2023, ils ont un gros coup à jouer chez Nintendo, parce que, comme t'as beaucoup de joueurs qui sont encore aux études, on va le dire, il y en aura beaucoup qui auront terminé, donc qu'ils le fassent le plus vite possible, comme ça ils vont avoir une masse de joueurs. Bon, là, je sais très bien que je vais farmer Mario... Enfin, je vais pas farmer que du Mario Kart, mais je sais très bien que j'en ferai mon congé, quoi. Ensuite, il y avait quoi d'autre? WarioWare. Ouais, je l'ai dit, WarioWare, le problème, c'est que quand t'es en solo, c'est pas intéressant, donc à moins qu'ils fassent un mode en ligne, j'y vois pas d'intérêt pour moi. Parce qu'il ferait un peu un truc comme Mario Party Superstar, où tu peux inviter des potes,
ou même inviter des randoms. Why not? Et dernière grosse nouveauté, le Super Mario Bros là. Wonder. Bon, alors, il peut être sympa, mais ça par contre, je suis désolé, mais ce machin là. Je vous montre là. Ça c'est juste illégal. Ça se fait pas. C'est illégal ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah, oui. Il y a des limites à ne pas franchir. Parce que sans déconner, on dirait une chimère ce machin. Et puis quand ils se sont dit on va faire fusionner Mario avec un animal. Alors je ne vais pas qualifier la personne qui a fait ça, mais je peux vous dire que le terme que je lui désigne, ça commence par zoo. Je vous laisse imaginer quoi, zoophile. Et c'est ainsi que je suis banni de Twitch. Let's go. Ouais, mais clairement, c'est ça que je pensais. Ah oui, t'as pas le droit de dire ces mots-là. Je sais pas. Peu importe. Il y a bien des meufs qui sont pas bannies alors qu'elles montent leur cul, mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux, quoi. Bah quoi, elles cuisinent pas, Y a des autres. Non. Faut bien qu'elles fassent quelque chose, hein. Ouais. Cuisine. Quel an, là, il est... Ça, c'est mon argent. Bah moi perso j'ai rien à ajouter donc je pense que je vais m'arrêter là. Bah ouais ça va, il y avait quand même des bonnes surprises. Mais s'il y aurait eu que les RPG, on se serait encore bien foutu de nos gueules quoi, j'ai envie de dire. Ouais en vrai c'était pas mal. Oui franchement ça me donnerait presque envie d'acheter des jeux Switch. Alors que vraiment j'en ai aucun. D'ailleurs les gars, attendez tant que je suis encore là, avant que je coupe le live, vous avez pas des idées de règles pour le défi que je prévois de faire sur ma brossue là? Celui où à chaque château que je termine, je me rajoute une règle parce que je sais pas assez de règles. Là pour l'instant j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. On m'avait même proposé de... jouer avec une cuillère avec pour le joystick, mais j'ai pas de deuxième caméra pour vous montrer quoi. Si vous avez quoi des idées, vous me les envoyez sur le Discord, en commentaire YouTube, ce que vous voulez. On est aussi, mais ça c'est plus pour ma chaîne. GTA 3, Superman 64, tout ça, on oublie avant au minimum 3 semaines. Parce que tout simplement. Mon AV, toi, HDMI, là, il me saoule. Donc j'ai acheté du matos bien spécifique pour la PS2 et pour N64 et SNES GameCube. C'est un peu comme celui sur la Wii, là, où je jouais sur Mario Sunshine en meilleure qualité, mais pour la N64, pour la SNES, pour la PS2 et la GameCube, mais GameCube, je m'en fous parce que j'avais déjà la Wii, quoi. Enfin, il y a aussi Donkey Kong Country. Bah, en soi, c'est juste deux petits trucs. En fait, c'est littéralement les trucs que t'achètes et c'est les plug and play là. Tu branches et tu joues. C'est pas une grosse installation, mais c'est simple. Parce que j'avais essayé GTA 3. J'ai un overlay prêt. Tout est bon là. Enfin, je peux vous le montrer. Regardez. Bon, il faut qu'il charge. Voilà. Tout était prêt. Mais quand j'ai branché le jeu, que je l'avais. Sur mon écran, il était mais dégueulasse. Je l'ai trouvé dégueulasse, donc je peux pas laisser ça. Donc je me suis dit, je vais plutôt acheter du matos. Et je pense qu'il devrait arriver pas avant 3 semaines. Parce que c'est des trucs chinois, quoi. Ça, par contre, il y a le Hopok, il a littéralement 4, 7 milliers de spectateurs là sur son live des têtes de direct. Là, je regarde un peu. Bon, de toute façon, moi j'ai rien d'autre à dire donc je vais m'arrêter ici. Hein, de toute façon.
Est-ce que tu arriverais à m'envoyer une photo de toi avec une tête étonnée? Ouais, je te fais ça. Ouais, je te Pour la fais ça. miniature. Ah, si tu veux. Bah, attends. Ouais, Bah, comme attends. celle-là, comme celle-là. Bah, attends, si tu veux, je te la fais maintenant, quoi. C'est Attends. pour la miniature. Celle qu'il y a sur ma miniature YouTube, là, ça t'irait? Ouais, c'est parfait, c'est ce que je te disais. Bah, attends, je vais la rechercher, je te l'envoie. De toute façon, tout est sur Canva, moi. Littéralement, c'est le logiciel le plus simple pour les streamers. Hein. Disons-le. Bon, par contre, faudra que tu chipotes un peu au contraste, quoi. Ou alors, attends, je peux faire mieux. Attends, est-ce que tu serais prêt à prendre une capture d'écran là tout de suite maintenant? Non. Faudrait juste que je mette. Que je dégage le sub-goal là. Bon, après ça, je peux me débrouiller au montage. Hein. Bah attends, je vais juste bouger mon micro comme ça tu l'auras pas. Juste enlève ton micro. Peut-être ton casque parce que ça va être compliqué sinon à Attends. te retrouver. Attends, tu m'envoies un message sur Twitch pour me dire si c'est bon, t'as ce que tu veux quoi. Attends, plutôt un truc comme ça. Ouais, comme ça c'est parfait. Eh ben écoute, si c'est bon, vas-y, hein. Attends, est-ce que je dois vraiment vous montrer la miniature que j'ai. J'ai déjà préparé un semblant de miniature parce que je savais très bien que ça allait repartir sur YouTube. Quand je vois ça, c'est beau. Y a François. Ah ouais, c'est pas mal. Les pleins le cul. J'en ai plein le cul. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai rien d'autre à dire, donc je vais m'en aller. Ok. Bon, bah Bah, merci écoute, d'avoir oh, bah, c'est un plaisir, hein. participé. C'est un plaisir. Et à la prochaine. J'ai pas mal gueulé, donc c'était bien. Allez. Allez, les femmes, à la cuisine. Cuisine! Allez, bah, je te dis à la prochaine. Hein. C'est vous pour la fin. De toute façon, je suis en live ce soir, donc bon, si tu veux passer. Allez, tchuss! Voilà, moi aussi je vais m'arrêter maintenant. Incroyable la transition, hein. Enfin. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir suivi le live. En vrai, le Nintendo Direct m'avait quand même assez surpris, mais ça je l'ai déjà dit 20 fois. Donc ce soir, Pokémon Insurgence, on continue, j'ai entraîné la team. Et il se peut aussi que je continue le live sur Twitch. Pour faire une phase d'XP après, un peu comme fait Fildrong, parce que j'ai le temps. Voilà. Maintenant, j'ai le temps. Donc voilà, rien d'autre à ajouter. Merci à tous d'avoir suivi. On a fait des belles stats. Ça, c'est cool, hein, pour les YouTube Monnaie. Allez, c'était Chile. Portez-vous bien. Salut Twitch.